c'était loin d'être programmé. On n'était bien sûr pas les favoris depuis le début, on le savait, mais ce qui a été superbe et fantastique, c'est de voir nos joueurs au fil des semaines, au fil des matchs, ben, non seulement se transformer, mais effectivement aller chercher au fond d'eux-mêmes ce que moi avant, ils ne soupçonnaient pas qu'ils avaient. Quoi. On ne peut pas faire du copier-coller. Bien sûr qu'on va se servir de l'expérience, de ce qu'on a pu vivre à travers les phases finales, l'approche des phases finales, la pression qu'il peut y avoir autour. Donc ça, c'est notre rôle justement par rapport à le fait de l'avoir vécu sur plusieurs années, de l'amener en termes d'expérience aux joueurs. Mais après, chaque saison est différente. Chaque aventure est différente. Ce n'est pas avec les mêmes hommes, ce n'est pas avec la même façon de voir les choses. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport et la beauté ou la remise en question perpétuelle. Donc par rapport à ça, nous, ce qui est important, et on ne veut qu'une chose, c'est que moi, je me rappelle ces deux dernières minutes, quand vous savez que vous pouvez être champion. C'est cette sensation que l'on peut avoir lorsqu'on est entraîneur ou joueur, puisqu'on a vu, on a affaire à des gens, que ce soit des supporters, mais aussi des joueurs, des gens, je pense qu'il ne pouvait pas y avoir plus heureux, et nous les premiers, et cette sensation des deux minutes où on sait qu'on va être champion, je n'ai qu'une envie, c'est, ouais, je paierai pour y revenir.